Salut les chasseurs, on se retrouve ce vendredi 24 janvier pour fêter les 2 ans de Monster Hunter World. Donc très bon anniversaire à Monster Hunter World qui a révolutionné un peu les jeux Monster Hunter. Vraiment, je suis juste super cool. Donc déjà 2 ans qui nous ont sorti cette petite merveille. Donc vraiment, vraiment très très content. Et à l'occasion, ils nous ont remis un petit festival comme en fait ils ont l'habitude de le faire, des festivals au moins 4 par an à peu près. Et il y avait déjà eu un festival d'anniversaire l'an passé, forcément. Et donc là, ils remettent ça avec le petit festival cosmique. Donc vous voyez du coup la déco de la salle qui est vraiment belle. Voilà, je kiffe bien, regardez le palico, le skin qu'il a, il est super cool. Donc voilà, le festival qui se déroulera du coup du 24 janvier, forcément aujourd'hui, jusqu'au 14 février. Donc pendant 3 semaines, on a un gros festival. Donc... de quoi en profiter avec le retour des 4 événements, avec du nouveau stuff à se farmer, des nouvelles armures de festival, ils font ça à chaque fois. Donc vraiment, vraiment pas mal de trucs pour les collectionneurs, c'est vraiment génial ce genre de festival. Donc, festival cosmique, donc avec des tickets Cosmos qu'on va collectionner pendant les 3 semaines, donc qu'on chopera en bonus de connexion, puis en requête, je vous montrerai les requêtes à la fin. Donc du coup des tickets de Cosmos qui serviront à fabriquer des bonhommes de neige. Donc il me semble que c'est exactement la même chose que le festival d'hiver. Je crois qu'on pouvait déjà fabriquer des bonhommes. On pourra fabriquer avec ça une armure pour le palico et pour nous-mêmes, comme à chaque festival. Elle est super cool, je vous la spoil pas plus, même si on a vu passer un palico en gros costumé. Ensuite, on pourrait récupérer les tickets VIP, les tickets Cosmos VIP, j'en ai pas encore, donc je pourrais pas vraiment dire à quoi ça sert. Mais en tout cas, j'ai lu que du coup, ça servait aussi à crafter des armures spéciales, des amulettes et des décorations. Donc voilà, encore pas trop mal, ça va être assez cool. Et durant ce festival, le Vaporium permettra d'obtenir des objets spéciaux bonus. Donc faudrait que j'aille tester ça, je vais voir et je vous... Quand j'aurai testé, je vous mettrai dans le commentaire de la vidéo en gros ce que ça rapporte. Nouvelle requête du Linien. Ils avaient déjà fait ça, je crois, dans le dernier festival. Et là, ils rajoutent des requêtes. C'est annexe, hein, c'est vraiment pas très, très important. Mais ça peut être cool, voilà. S'il y en a qui kiffent les requêtes du Linien, il y en a de nouvelles. Et enfin, des nouvelles déco de la chambre, disponibles au Chambellan. Il y a évidemment aussi la tenue de l'assistante et du Pougui qui sont aussi disponibles au Chambellan. Mais je le fais jamais, ça. Ça, c'est un truc qui m'intéresse pas des masses. Donc, je le fais pas. Mais du coup, voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller parler au Chambellan et voir un peu tout ce qui est dispo à nouveau pendant ce festival. Donc, forcément, qui dit festival dit quête. Quête événement. Et il y a du nouveau. Il y a du nouveau pour le rang maître. Pas pour le rang novice et expert, bien évidemment. Ils ont poncé ça pendant 1 an et demi sur World. Donc, vous attendez pas à avoir de nouvelles quêtes. De nouvelles quêtes novices ou experts. Ce sera uniquement en rang maître, les nouveautés. Donc on va se diriger du coup. Comme j'ai l'habitude maintenant de le faire dans les vidéos hebdomadaires pour les quêtes et requêtes. On va commencer par les défis. Donc on va voir les défis novices et experts. Parce que dans la dernière vidéo festival, j'ai pas mal développé les quêtes. Mais là, ils en ont remis un sacré paquet. Et en fait, je me suis renseigné depuis, et c'est vrai qu'il y a plus de choses à dire déjà sur les quêtes défis. J'avais pas assez développé en fait dans la dernière vidéo. Du coup, tuer le Nergigante, donc vous voyez l'arrêt de mort Nergigante, c'est une quête qui est sortie à l'occasion des qualifications 2018 en Corée du Sud et à Tokyo. Le Nergigante 2, celle-là, c'est sorti pareil, mais à Nagoya. La 3... Et c'est les qualifs, pareil, 2018 à Hiroshima. Le Nergi 4, c'est les qualifs 2018 aux États-Unis à Sapporo. Donc voilà, en gros, les quêtes de qualification pour les championnats du monde Monster Hunter. Donc voilà, elles sont là, elles sont pas mal. Moi perso, je n'en fais pas trop des quêtes défis d'arène, ça m'intéresse pas des masses. Mais voilà, elles sont là. Si vous voulez faire comme pour les qualifier au championnat, c'est ça. Ensuite... Le vent, arrêt de mort, vent et griffes. Désolé, je lis un peu ce que je me suis fait en mémo. Donc le vent et griffes 1, c'est pareil, qualification 2018 à Taïwan et Sunday. Je sais pas si je prononce bien, on va dire Sunday, ouais à peu près.
Je sais pas, vous me direz, vous me parlerez de la prononciation dans les commentaires. Je sais pas du tout, je me poussais. Bref, la géographie, voilà. Alors, la numéro 2, celle-là c'est pour les califats. Les califats Fukuoka. Et la 3, c'est pour les qualifications à Hong Kong et Osaka. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'arrêt de mort d'Evil Joke. En fait, plus ou moins tout ce qui s'appelle arrêt de mort, ça a l'air d'être des qualifications. Donc l'arrêt de mort d'Evil Joe, eh ben non, je vous dis que c'est des qualifications, mais c'est plus le cas. C'est pour les quarts de finale du championnat, du championnat 2018. Donc Devil Joe pour le quart de finale. Ensuite, celui qui rôde dans la forêt, celle-là c'est pour la demi-finale du championnat. Donc voilà, on a eu les qualifs, le quart, la demi. Ensuite, le best of the best, c'est pour la grande finale. Donc voilà, quart, demi et grande finale. Donc vous voyez qu'il y avait quand même du niveau, hein. Ça, donc forcément, c'est un championnat, je pense, qui consistait à faire le moins de temps possible en arène. C'est un peu ça. C'est un peu le, voilà, le e-sport de Monster Hunter. C'est les quêtes arène à faire en le moins de temps possible. Je pense que, bah, tout simplement, le meilleur temps gagne. Et vous voyez qu'il y a quand même du costaud. Hein. Teostra, Kuchala et Energigante. Voilà, c'était, ouais, ça devait quand même envoyer du lourd. Donc chapeau aux gagnants, parce que vraiment c'est le genre de quête où je prends même pas la peine d'aller voir. Voilà, ça m'intéresse pas des masses. Ensuite, la loi de la guerre. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Voilà, c'est pour un Dream Match. Donc voilà, match rêvé au Tokyo Game Show 2018. La chasse à l'impératrice bleue, c'est pareil. Dream Match Tokyo Game Show 2018. Et je crois bien... C'est tout pour les championnats ou TGS. Pas grand chose à développer sur celle-là. Voilà, il n'y a pas vraiment de récompense. Et là, on passe sur du stuff. Donc, impératrice en fleurs, du 1 à 3. Donc, en fait, vous voyez, sachant, il n'y a rien. Le monstre ne change pas. C'est juste les armes avec lesquelles vous pourrez aller l'affronter. Et ça, ce sont les quêtes qui vous servaient à crafter l'armure Sakura rang expert. Donc vous pouvez vous crafter une armure avec le skin de Sakura. Donc en expert, et bien évidemment en débloquant l'armure spéciale. Il y a exactement la même chose avec Ryu. Donc le véritable Satsui no Ado. Donc 1, 2 et 3, ça c'est pour l'armure de Ryu. Et je crois que j'en ai raté une. Voilà. Donc ça... L'autre c'était pour le rang expert, l'armure de Ryu, et celle-là de debout le point levé, c'est l'armure de Ryu rang novice. Donc vous voyez qu'il y a une armure de rang novice pour Ryu, mais pas pour Sakura. À moins que je l'ai pas vue. Si vous savez qu'elle existe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux rater clairement des infos. Clairement, j'essaie de me renseigner, mais je peux vraiment me rater. Donc surtout, n'hésitez pas à compléter. Vous l'avez très très bien fait pour ma vidéo du dernier festival, et c'est super cool, je vous en remercie. Il y a eu beaucoup de commentaires et ça a permis de bien échanger, et ça c'est cool, ça a permis d'apporter plein d'infos supplémentaires et d'aider plus de gens. Donc vraiment merci à vous. Donc surtout n'hésitez pas à faire la même chose dans cette vidéo si vous voyez qu'il manque quelques infos. Donc voilà pour les défis en novice. On va passer en rang et bon, les quêtes arènes, il n'y a pas vraiment besoin de développer. Donc la quête défi, donc le souverain des terres gelées. Donc c'est quête finale du championnat au Japon et Taïwan. Donc voilà, en rang maître, forcément. Vers la lumière, c'est pas quête finale, mais en Amérique. Donc voilà, ils aiment bien, hein, franchement, les championnats d'arène, c'est assez cool. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, quand même, qui jouent, et ça, c'est assez sympa. Voilà, ils ont sorti un peu le e-sport de Monster Hunter, et ça peut... Voilà, il y a des gens que ça intéresse, je trouve ça assez cool. Et la quête défi, voilà, qui vous permet de récupérer des pièces ceinture noire et des coupons gourmands. Voilà. Voilà, à peu près ce qu'il y a à dire. Donc voilà pour les quêtes défis. Donc on va passer aux quêtes de rang maître. Bah aux quêtes événements de rang maître, toute simple. Parce qu'il y a du nouveau. Donc vous voyez du coup, retour de la traque du Safijiva. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le faire la première fois, je vous mettrai en lien ma vidéo du fonctionnement de la traque à la fin de cette vidéo. Voilà, s'il y en a qui ont besoin, qui connaissent pas encore le Safi. Voilà, je vous inviterai à regarder ma petite vidéo où j'explique un peu le fonctionnement. Ça, c'est assez cool.
Alors, je suis quand même étonné qu'ils aient viré la traque de la cuve Taros. Je m'attendais à ce qu'elle soit là pendant le festival et du coup, elle est pas là. Donc en fait, voilà, je sais pas trop pourquoi ils l'ont virée. Ils auraient pu la laisser. La reconnaissance du Saphir, elle sera là tout le temps, je pense, mais ça, elle sert pas à grand-chose. Alors, au niveau des quêtes, voilà. Et là, il y a de la nouveauté dans les quêtes. Ça, c'est assez cool. Je vous passe le Randovis Expert parce que je l'ai développé très largement dans la quête, enfin dans ma vidéo du dernier festival. Je vous le mettrai en lien à la fin de la vidéo, je vous rappellerai ça à la fin. Donc, c'est pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue parce que c'est très très long. C'est très très long. Il y a énormément de quêtes, pas mal à développer, et je développe tout dans ma dernière vidéo de festival. Donc pour éviter de rajouter 10 minutes à la vidéo, je vous inviterai du coup. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Je vous inviterai à cliquer sur la vidéo du dernier festival pour aller. Si vous avez besoin des infos sur les quêtes novices experts, il n'y a absolument aucune nouveauté dans ce festival. Donc voilà, je sais qu'énormément connaissent déjà les quêtes. On pourrait pour éviter que ce soit trop long, mais si vous avez besoin, je vous mets le lien et vous n'hésiterez pas à cliquer. Tout est expliqué et comme je l'ai dit juste avant, beaucoup d'informations ont été complétées. Du coup, vous aurez toutes les infos que vous voulez sur les quêtes novices experts dans la vidéo que je mettrai en lien à la fin. Allez, les quêtes événements. Donc l'argent n'a pas de... Je vais redévelopper vite fait parce que vous voyez qu'il y en a moins. Il y a beaucoup de quêtes qui donnent uniquement des points de rang. Donc au final, il n'y a pas grand chose à signaler. Donc l'argent n'a pas d'odeur, qui consiste à livrer 6 singes d'argent. Donc c'est pour un couvre-chef. Voilà, je vous spoil pas plus, c'est pour un chapeau. Ils adorent les chapeaux dans Monster Hunter. Ça vraiment, ils adorent nous foutre des chapeaux à toutes les sauces. D'ailleurs, s'y prendre comme un manchot, vous devinerez, c'est un couvre-chef. Fleur de neige. Fleur de neige, c'est une nouvelle quête. Voilà, c'est une nouvelle. Donc qui demande d'aller récupérer 10 fleurs de glace pour, devinez quoi, un couvre-chef. Encore. À peu près. Donc voilà, nouvelle, ils sortent, ils ont plein de quêtes pour des chapeaux, et ils nous en sortent une nouvelle pour un chapeau. Mais c'est cool, hein, ça, voilà, ça, pour les collectionneurs, c'est assez sympa. Le bon et le mauvais pêcheur, rien à signaler, c'est pour des points. C'est exactement pareil pour les 20 fruits souterrains. Mais, si vous trouvez le bon fruit, vous aurez un petit animal rare. Voilà, un animal rare et une distinction. C'est un animal qui fournit une distinction. Exactement pareil pour les desserts du désert, qui vous demandent de récupérer des fruits. C'est pareil, le petit animal pour la distinction. C'est le même, hein. C'est exactement le même. Cherchez pas à avoir un deuxième animal rare dans la deuxième quête. C'est exactement le même. Les points de RCRM, les matériaux spéciaux. Voilà, le rêve de tous les chasseurs 2. Donc c'est pour récupérer le set palico du gagnant du concours. Voilà, ils ont lancé des concours de design. Et voilà, le set palico gagnant est gagné dans cette quête-là. Vous récupérez des tickets qui vous permettent d'aller crafter le set palico qui a gagné le concours. Et il est cool. Franchement, il passe. Il est fun, il est cool. Je vous en dis pas plus. Ça va cogner, c'est des points. C'est des points pareil pour celle-là. Encore des points pour le carnaval de couleurs. Elle est super cool cette quête. Je l'ai faite en vidéo. Elle est super fun. Voilà, c'est. Non, elle est cool. Et elle ne rapporte pas grand chose à part des points de rang, mais elle est assez fun à faire. Alors, 50 nuances de blanc, nouvelle quête. Voilà, nouvelle quête inédite pour ce festival. Donc qui vous. Donc qui. Alors là, j'ai pas trop compris quand j'ai regardé la description de la quête sur internet. En gros, matériaux spéciaux. Donc je me suis dit, je vais juste dire ça. En gros, c'est une nouvelle quête qui permet de récupérer des matériaux spéciaux. Il n'y a pas de développement. Je vous la ferai. Donc celle-là, si vous voulez voir en gros ce qu'elle donne, j'irai la faire. Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur cette quête pour expliquer ce qu'elle donne. Parce que du coup, à part matériaux spéciaux, j'ai pas trouvé d'infos et je ne l'ai pas encore faite. Mais dès que je l'ai fait, je vous la poste sur ma chaîne et vous saurez en gros à quoi elle sert. Si elle sert à rien, vous n'aurez pas. Parce qu'il y a énormément de... Voilà, il y a des quêtes où ils nous parlent de matériaux spéciaux et en fait, ça vous permet juste de récupérer les matériaux du monstre. Mais je pense que... Mais vraiment, je pense s'ils ont mis matériaux, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc, je vous la ferai en vidéo. D'ailleurs, toutes les nouvelles quêtes, je pense... Bah, peut-être pas la fleur de neige, parce que me voir faire une vidéo... Enfin, me voir aller ramasser de la plante en quête pour récupérer... Je suis pas sûr que ce soit très très intéressant... Par contre, me voir faire le Barrios en arène, je pense que ça peut le faire. Voilà, ça va faire une quête, puis en plus, comme ça, je vous développerai un peu ce qu'elle donne. Voilà, je vais éviter de répéter 50 fois les mêmes choses, parce que
que ce soit trop long. Ensuite, le rêve de tous les chasseurs 3. C'est pareil, c'est un concours, encore un concours de design, et c'est un concours Volto H. La Volto H gagnante est merveilleuse, franchement elle est super cool, donc n'hésitez pas à vous la faire. Donc voilà, cette quête permet de récupérer des tickets pour vous fabriquer la nouvelle, une Volto H, donc la Volto H qui a gagné le concours, et ces tickets vous serviront aussi à améliorer la grande épée qui avait gagné le concours sur Monster Hunter World. Donc c'est pareil, ils avaient lancé un concours de design, une épée avait gagné, ils l'avaient sortie à l'époque sur World. Et cette quête permet de choper les tickets pour l'améliorer en rang maître. Donc voilà, voilà. Ensuite, point de RCRM, pas grand chose à signaler. Exactement pareil. Vous voyez qu'il y a énormément de quêtes. Il y a énormément de quêtes où c'est juste pour des points. C'est pour ça que c'est pas très très long. C'est du tout cuit. Pareil, quête inédite qui sort à l'occasion de ce festival. Et celle-là, elle est super fun. Parce qu'elle vous permet de crafter un marteau. Je vous en dis pas plus, si vous avez pas vu passer l'info, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est un marteau super cool, il est fun. J'irai me le faire. Donc forcément, je me la ferai en vidéo. Celle-là, je la ferai en vidéo et je montrerai à la fin ce que c'est. Mais du coup, je traiterai en évitant les spoilers. C'est-à-dire, en gros, je préviendrai quand j'irai le crafter. Je pense que je vais faire ça maintenant, petite nouveauté quand j'irai faire une quête événement. C'est que... En gros, je chasserai le monstre, enfin, je ferai la quête, et en fait, à la fin, je vous préviendrai qu'en gros, je vais rentrer de la quête, il y aura le temps de chargement, et que je vais me rendre directement, directement à la forge pour crafter et vous montrer. Donc en gros, du coup, vous aurez le choix, à la fin, en gros, quand j'aurai tué le monstre, de vous arrêter là si vous voulez pas vous spoiler le skin de l'arme ou de l'armure, ou de me suivre, ou de suivre et voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est pour un marteau, c'est du tout nouveau, c'est du tout nouveau et c'est tout nouveau inédit. Voilà, je sais pas où je voulais en venir vraiment avec ma phrase. Bon bref, la suite. Donc voilà, Glavenus Odogaron des Astres. Par contre ça va taper un peu. Mais après c'est cool, ça reste des quêtes. À aller faire à plusieurs, c'est pas mal. La traversée du désert, point de RCRM, point de RC, encore. Météo spéciaux, la bonne pioche, je l'ai déjà faite. Donc c'est pour vous récupérer un katana qui est assez énorme. Bon, je pense que le titre parle de lui-même. Je vous mettrai la quête en lien à la fin de la vidéo si vous voulez voir en gros cette quête je l'ai faite, elle est déjà postée sur la chaîne donc je vous la mettrai en lien. Ça peut faire un truc assez sympa. Par contre je n'ai pas montré à la fin de la vidéo l'arme que je suis allé fabriquer. Je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais du coup voilà, si vous voulez voir la chasse au Brachidios, au Brachi Alpha, je vous la mets en fin de quête, enfin en fin de vidéo. Je commence à me perdre, quand c'est trop long, hein, parler trop longtemps, je commence à me perdre. Donc la bonne pioche, voilà, pour un très très bon katana. Le froid et la frayeur, devinez quoi, c'est pour un couvre-chef. Et un couvre-chef qu'il faudra mériter quand même, parce que du Valazak et du Vel'Kana. Voilà, c'est là, ils n'en voient pas rigoler. Donc, ça c'est pour des points de RCRM. Donc vous voyez que 3 dragons anciens pour des points de RCRM, c'est cool. Hein. Là, ça va tomber pas mal. Points de RCRM, pareil, Vel'Kana Namiel. Donc ça, ouais, ça va taper. Le Devil Joe Carnage pour encore des points. Le Valazak. Voilà, le Valazak à l'occasion de la collaboration Resident Evil. Donc cette collaboration qui vous permet de récupérer des tickets pour vous crafter deux sets d'armure. Je vous dis pas à quoi ça correspond, c'est deux sets d'armure Resident Evil et deux armures spéciales. Donc voilà, collaboration Resident Evil. Donc avec deux petites armures, ça c'est assez cool. Au cœur des contrées gelées, collaboration Horizon Zero Dawn. Je vous développe pas plus, je vous mettrai en lien la quête La Survivante, qui est la suite... de la collaboration Horizon Zero Dawn et la suite de Au cœur des contrées gelées. Je vous mets en lien la survivante à la fin de la vidéo, comme ça, où dedans, j'explique en fait ce que vous récupérez dans les deux... En gros, j'explique ce qu'on récupère dans la survivante et qui est la suite de Cœur des contrées gelées. Forcément, j'explique en gros ce qu'on récupère au cœur des contrées gelées également. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Allez, cliquez sur la quête La Survivante, vous saurez en gros ce qu'on récupère dans la quête. Embrasement. Et ça, c'est de l'inédit. Et c'est la suite de La Survivante et Au cœur des contrées gelées. Donc je ne l'ai pas encore faite. Je vous développe pas non plus ce qu'il y a à faire. Parce que je vais forcément la faire, cette quête.
et je vous la ferai en vidéo et je vous expliquerai dedans concrètement tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut améliorer d'avant. Donc voilà, embrasement, quête inédite, collaboration Horizon Zero Dawn. Donc l'éclair et la foudre, c'est de l'inédit. Voilà, c'est une nouvelle quête qu'ils ont sortie. Donc Zinog Namiel. Donc c'est pour avoir des symboles d'amitié. Pas vraiment à quoi ça sert, si vous savez, n'hésitez pas à nous éclairer. C'est ouais, le symbole d'amitié, je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais voilà, en gros, nouvelle quête et pour des symboles d'amitié. Ensuite, hurlement clair de lune pour des points. Le Garouga balafré pour des points. Là, on va arriver sur la fin. Le Tigrex Berserk pour des points. Le Rat à argent, la Racienne d'or. Voilà, la folie des muscles, donc c'est pour une armure. Je vous développe pas plus. C'est une armure à faire avec les tickets qu'on récupère dans cette quête. Donc deux Rajang dans l'arène. Voilà, je vous pose un peu le contexte. Je crois pas, ils commencent pas en même temps. Mais voilà, en gros du Rajang, ouais, du Rajang, tout simplement. Pas besoin de développer plus. Du Rajang. Ça fait mal. Donc foudre de la guerre, voilà, pour des points, encore pour des points, encore pour des points. Donc ça c'est pour de la sphère d'armure, les deux Paulumu. Bon, pas mal de sphères d'armure, c'est assez cool. Et également, voilà, là, le Baselgeuse Ulquin pour de la sphère d'armure. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc quand même 6 quêtes inédites qui sortent à l'occasion de ce festival. Avec nouvelles armures et la grosse info, c'est la suite de la collab Horizon Zero Dawn. Donc on en est à 4 ou 5, on est à la 4 ou 5ème collaboration, hein, donc on commence à avoir un paquet de stuff. Donc voilà, c'est assez cool. Donc je vous ai dit, je vous passe les novices experts si vous avez besoin d'infos sur celle-là. Notamment, c'est un peu, voilà, c'est dedans, il y a l'armure de Dante, il y a la collaboration... Avec Megaman. En gros, si vous avez besoin des infos, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo du dernier festival. Je vous montre un peu vite fait les requêtes de la semaine et en gros ce qu'on peut avoir en récompense. C'est pas les requêtes de la semaine, c'est quotidien. Donc du coup, pas de vidéo hebdomadaire pour vous présenter les requêtes de la semaine parce que tous les jours ça va changer. Je pense que si tous les jours je vous fais une petite vidéo pour vous dire aujourd'hui il faut aller tuer ça et ça, je pense que ça va être très vite chiant pour un peu tout le monde. Donc voilà, je vous montre juste un peu en exemple ce qu'on peut récupérer. Donc voilà, là par exemple, pour la première, on vous demande d'aller faire deux quêtes événements pour deux tickets d'anniversaire. Donc qui vous permet de crafter l'armure de Gala. Je pense que l'armure de Gala Rang Maître est disponible également. Donc n'hésitez pas, voilà, même si vous avez collectionné les armures de Gala Rang Novice ou Expert, je pense qu'il y aura la Rang Maître. Deux quêtes dans le désert des termites pour à nouveau deux tickets d'anniversaire. Un monstre alpha pour encore deux tickets d'anniversaire. Ils aiment bien varier. Un monstre de terre pour un ticket cosmos. Un glavenus pour un ticket cosmos. Et le fait d'avoir complété tout ça vous donnera deux tickets cosmos. Donc en gros, à récupérer aujourd'hui 4 tickets cosmos et 6 tickets d'anniversaire. En gros, 6 tickets d'anniversaire, ça doit bien avancer le set de gala. Pour le palico également, hein, pensez bien que chaque armure qui est disponible pour vous, il y a un set aussi pour le palico. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce festival. Donc voilà, 3 semaines à bien s'éclater avec les quêtes événements, avec les nouvelles à fabriquer les armures, et surtout à farmer du Saphi Jiva. Parce que si vous êtes comme moi et que vous vous êtes rendu compte que du coup les armes Saphi Jiva étaient complètement craquées par rapport au reste, et que vous avez beau avoir touillé ça pendant deux ou trois semaines lors du premier festival, mais que vous avez pas eu assez de Dragolux du coup pour faire autant d'armes que vous vouliez, et ben voilà, pendant 3 semaines ça va être énorme retour du farm Saphi. Donc voilà, ça c'est cool, il y aura vraiment pas mal de trucs à faire dans les 3 semaines. Du coup, bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Partagez la vidéo, éventuellement, ça serait top, ça permettrait de bien aider et développer la chaîne. Ça, ce serait super cool, je vous en remercie. Du coup, en lien, je vous mets la vidéo du dernier festival pour le développement des quêtes Novice Expert. Je vous mets en lien la quête La Bonne Pioche. Donc avec le Brachydios, le fonctionnement du Saphi Jiva pour ceux qui vont découvrir le Saphi sur cet événement. Puis voilà, n'hésitez pas à cliquer. Voilà, je vous remercie, très bonne chasse à tous, très bon festival, encore bon anniversaire à Monster Hunter.
et je vous développe et je vous fais les quêtes. Je vous fais les quêtes événements, je vous les développerai, je vous les poste sur la chaîne bientôt pour développer ce qu'il y a à faire avec. Voilà, merci à tous et bonne chasse. Ciao.